Bon, alors voilà le carrelé qui est prêt, collé d'hier. J'ai raboté, rescié, calibré. Et maintenant, je vais faire les entailles pour faire peut-être des pétales. On va voir. On va essayer ça. Bon ben voilà. Alors là, maintenant, il va falloir que je remplisse tout ça avec du bois. Donc je vais préparer les lamelles de Bengay, et puis je vais coller tout ça dedans, on verra bien. Plus bas, je vais faire autre chose. On verra. Je fais des essais, hein. Bonjour à tous. Alors voilà. Hier, j'ai collé ça dedans. Et là, j'en ai refait ce matin encore. Et je coupe des languettes. Il faut qu'ils rentrent tout juste dedans. Là. Voilà, et c'est tout. Et je les colle. Alors je fais tout le tour, là j'en ai déjà mis. Pour passer, ben, j'ai recoupé parce que ça a bouché là. Alors j'ai recoupé ici, j'ai redonné un trait ici. Et puis maintenant je vais terminer là. Et après on va voir la suite. Alors les cales, si elles forcent de trop, c'est pas bon, parce qu'on n'arrive pas à les enfoncer, on va les péter. Donc je les ajuste, si elles forcent de trop, avec un petit coup de racloir pour qu'elles rentrent pile poil, quoi. Voilà. J'ai mis la cale, là. Et pour les taper, vous allez voir, j'utilise une cale pour pas les casser, parce que si vous tapez au marteau, direct dessus, comme c'est du fin, ça fait à peine 3 mm d'épée. Voilà, prends une cale. Voilà. Il n'y a plus qu'à affleurer ça. Et après, on va recoller encore autre chose par-dessus. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est la fameuse matine, ça, tiens. Qu'est-ce qu'on voit? Matine Luxor incolore. C'est vernis au tampon, ça va tout seul. Ça fait bien briller. Alors voilà, j'ai préparé des recharges que je vais coller aussi. Et puis après, je suis en on va arrêter là. Je vais coller ça. Et puis peut-être que je mettrai encore des filets, je sais pas. Faut gamberger un petit peu pour voir imaginer ce que ça va donner, quoi. Voilà. Alors à plus tard. Bon ben voilà, il est serré, hein. Voilà. On va voir ce que ça va donner demain. On verra bien. Demain au dessert.